on est un espoir, on est une attente, et dans ce genre de moment, ben, putain, merde. La France insoumise est devenue, année après année, combat politique après combat politique, on est devenu et on a commencé et continué à incarner pour des millions de gens une forme de force sur laquelle on peut s'appuyer. Et je sais que c'est aussi la raison pour laquelle on est souvent jugé durement. Cette exigence-là, je la prends avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité parce que elle dit de nous que, aux yeux de beaucoup de gens, on est un espoir, on est une attente et dans ce genre de moment, ben putain merde. Mais dans ce genre de moment politique, je sais que il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à une peur. Et notre rôle à nous, c'est d'être à la hauteur des attentes des gens. Et je leur dis, vous pouvez compter sur nous, parce que on sait, pardon, je suis désolé, je suis un peu fatigué. On sait qu'il y a cette attente-là, et on essaye d'être à la hauteur de l'histoire à chaque instant. D'autant plus que face à nous, c'est l'inverse de ce qu'on propose nous, que face à nous, c'est nos ennemis mortels, en réalité. Et quand je dis mortels, c'est au sens littéral du terme, parce que pour certaines personnes, ça veut dire perdre la vie. Et c'est ça aussi qui est jamais dit, hein. Mais si les fachos gagnent, la violence verbale qui a été, qui existe déjà, et la violence physique qui existe déjà, elles vont être décuplées, elles vont être d'une violence sans nom. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Le chat est complètement en soutien avec toi et je trouve que ça montre la sincérité du combat. Ça, c'est une belle chose. C'est pas de la posture politique, c'est pas du carriérisme, c'est une vraie envie de faire ce qu'il faut faire et d'être à la hauteur d'une époque qui malheureusement bascule dans le pire.